Foot FM, bonjour. Jacques, à propos de ces commissions de sécurité qui ont dit que le hall Paul Chonchon, puis l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, puis plusieurs écoles de Pointe-à-Pitre ne pouvaient plus recevoir de public, faute d'être aux normes, Jacques Bangou, maire de Pointe-à-Pitre, a déclaré à notre confrère Franck Breland de FA Guadeloupe, je cite, « Ce n'est rien d'alarmant, il s'agit simplement d'une mise à jour des normes de sécurité. Depuis quelques jours, j'ai l'impression qu'une entreprise de salissure et de déstabilisation est lancée sur Pointe-à-Pitre. Sans doute une accumulation de tuiles comme celle-ci est rarement due au hasard. » Léon, il a toujours été un tantinet flambard, notre ami Léon Bertrand, homme politique guyanais, ancien ministre du tourisme de Jacques Chirac, condamné à 7 ans de prison pour corruption passive et favoritisme. Il est ressorti de la maison d'arrêt au bout de 7 mois. Il va se reconvertir dans quoi? Dans l'humanitaire. Harry, grands travaux en Orbaster pour l'équipe d'Harry Chalus, Bouillante, DS, Sainte-Rose, bénéficie d'une réfection des routes et de leurs abords. Après la déviation de la Boucan, après la déviation de Sainte-Marie, décidément on a trouvé de l'argent au fond des coffres de la région et c'est tant mieux. Raphaël, à quoi servent les parlementaires martiniquais? Demande Raphaël Confiant, auteur bien connu, observateur impitoyable de la société antillaise. Élus tous avec moins de 25% du corps électoral, on serait tenté de répondre que ces représentants ne représentent qu'eux-mêmes et la poignée de béni oui oui alimentaire qui les suit. C'est une belle image. Joël, Cayenne, Capesterre-Belle, la plage de sable noir, les cocotiers, mer à peine agitée, alizée, vue superbe sur le large avec Marie Galante à l'horizon. On se retourne et on regarde à l'intérieur des terres, sous les cocotiers, des ordures, des voitures abandonnées, rouillées, qui sont des nids à moustiques, des encombrants de toutes sortes, à 100 mètres de la mairie. Bah, c'est pas bien du tout, ça, hein, vraiment. Bon week-end et à la semaine prochaine.